tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à la chasse aux cadeaux de Noël. La maison de la truffe, on trouve toujours plein de petites idées cadeaux super. C'est toujours très bien présenté, très bien emballé et ça fait des très jolis petits cadeaux. Du sel à la truffe, on trouve des petites boîtes de brisure de truffe, enfin tout autour de la truffe. Et moi je trouve que c'est une idée de cadeau vraiment sympa quand on aime la truffe. Moi personnellement j'adore ça. Mais c'est vrai que c'est un cadeau que j'offre assez régulièrement à Noël aux gens que j'aime parce que voilà, ou en petit complément sur un autre cadeau ou vraiment en petit cadeau quand on est nombreux et qu'on n'a pas forcément les moyens d'acheter les grosses choses à tout le monde. Je trouve que c'est une petite attention très sympa et moi je m'en sers beaucoup, donc vraiment je trouve que j'adore. Alors voilà, regardez, je vous montre le petit paquet, la maison de la truffe, voilà, avec un joli petit nœud. Ce sont des jolis paquets, comme ça vous déposez ça au pied du sapin et tout de suite, voilà, ça donne un petit côté un peu classe. Là, je suis chez Chanel et en achetant un petit rouge à lèvres ou juste un petit vernis à ongles, on a un très très beau paquet, ça fait toute cette classe à mettre ensemble du sapin et ça fait toujours plaisir. Donc, je vous emmène avec moi chez Chanel. Alors évidemment, chez Chanel, j'y vais pas pour acheter des sacs, des chaussures, mais pour Noël, je trouve ça toujours assez agréable de recevoir un très joli paquet et il m'arrive d'aller acheter pour ma maman ou pour des amis ou des cousines, d'aller chez Chanel pour acheter un petit rouge à lèvres, un vernis à ongles, c'est aux alentours de 30 euros. Les paquets sont magnifiques. Regardez, je vous montre, là j'ai acheté le petit rouge à lèvres. Le paquet est très joli, le petit détail avec la petite fleur. Ils vous mettent toujours plein de petits échantillons avec, vraiment, et c'est très très mignon. Et là aussi, ça fait un joli paquet au pied du sapin. Autre endroit où je me fournis beaucoup en cadeau de Noël, c'est chez Ritual. Alors Rituals, ils font plein de choses, que ce soit des produits pour le corps, des produits pour le visage, des bougies, des petites bouteilles avec des petits bâtonnets parfumés. Et moi, j'adore ça. Alors j'offre souvent les petites bouteilles avec les bâtonnets parfumés parce que pour un petit cadeau, c'est hyper pratique. Ça coûte 13,90€, donc rien du tout. Vous avez les modèles un peu plus grands qui sont un petit peu plus chers. Mais ça fait pareil, de très jolis paquets et il y a plein de choix. Vous pouvez aussi acheter des bougies, comme je vous l'ai dit, mais vous pouvez aussi acheter des gommages, des laits pour le corps. C'est toujours très joli, les packagings sont vraiment très réussis et pareil, ça fait des jolis cadeaux au pied du sapin. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour chez Rituals, vous trouverez forcément votre bonheur. Autre idée de petits cadeaux que je trouve hyper sympa, c'est aller chez Calzedonia. Donc quand je vais chez Calzedonia, ben je farfouille un peu et je trouve toujours plein de petites idées de cadeaux toutes mignonnes à offrir, que ce soit des chaussettes à paillettes, des chaussettes en lurex un peu brillantes parce que je trouve ça canon de porter ça avec des baskets. Je porte beaucoup de chaussettes en cachemire de chez Calzedonia parce qu'elles sont vraiment géniales. C'est-à-dire qu'elles tiennent chaud, elles sont toutes douces, elles résistent super bien au lavage. Et vraiment, c'est un cadeau que je trouve très mignon en petit cadeau d'appoint ou vraiment quand on a voilà, pas beaucoup de sous, bah, une ou deux petites paires de chaussettes en cachemire, il y a plein de couleurs, il y a aussi des chaussettes un peu plus habillées avec un nœud derrière en cuir, des chaussettes avec des petits strass. Voilà, je trouve que c'est une idée hyper mignonne et pour le coup, c'est assez original. Autre cadeau que j'adore offrir, ce sont des épices. Alors voilà, vous pouvez trouver dans pas mal de boutiques des épices. C'est toujours très joli, il y a pas mal de packaging différents. Vous les avez dans des petits tubes en verre, vous les avez dans des petits bocaux. Voilà, il y a plein de manières de les présenter. Mais vous pouvez prendre des choses qui soient à la fois très colorées. Il y a des sels de toutes les couleurs, des sels de rose de l'Himalaya, il y a du sel noir de Hawaï. Il y a plein de choses, donc à la fois du sel, à la fois des épices. Voilà, moi je trouve que c'est une super idée parce que quand on aime bien manger, quand on aime bien cuisiner... voilà, c'est un cadeau qui est pour le coup assez différent de ce qu'on peut offrir d'habitude et je pense que ça fait toujours plaisir. Autre petit cadeau dont j'avais vraiment envie de vous parler, ce sont les pochettes de chez So by Sophie. Alors je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, ce sont des petites pochettes personnalisées comme ça. Donc celle-ci est à Dis-moi Karine. Et Sophie fabrique tout un tas de pochettes pour plein d'occasions différentes. Mais pour Noël, elle peut vous faire des très très belles pochettes. C'est vraiment un cadeau très sympa, un cadeau personnalisé. Moi j'aime bien les cadeaux personnalisés parce que c'est des choses qu'on peut garder longtemps et ça fait toujours un très joli souvenir. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur son site, elle a plein de modèles différents et je trouve que c'est une idée vraiment sympa à offrir pour Noël.
autre petit cadeau un petit peu original. Voilà, ce sont les petits gâteaux de chez Vous avez un message. Alors voilà, là il y a écrit, je ne sais pas si vous voyez, il y a écrit Santa Amour pour Noël. Et vous pouvez écrire ce que vous voulez dessus. Donc vous passez commande sur le site. Je vais vous mettre le lien du site dans la description. Et je trouve que c'est une idée de cadeau assez mignonne et qu'on offre rarement d'ailleurs des petits gâteaux. Mais pour le coup, voilà, pour vos grands-parents, une petite attention, pour un enfant un peu gourmand, pour une cousine, pour une tante, ce que vous voulez. Je trouve que voilà, c'est un cadeau différent, original. Et en plus, les gâteaux sont très très bons. Je peux vous dire que j'en ai mangé plein et ils sont vraiment très très bons. Une autre idée de cadeau que j'adore, c'est le thé mariage frère. Alors pourquoi le thé mariage frère? Parce que déjà c'est pour moi un des meilleurs thés qu'on peut trouver sur le marché. Et en plus, leurs packaging sont juste incroyables. C'est très très beau. Donc vous trouvez plein de choses. Vous pouvez offrir du thé dans des jolies boîtes. Là, les boîtes noires et blanches, c'est magnifique. Mais il y a plein d'autres packaging différents selon le thé que vous voulez choisir. Mais il y a aussi plein d'autres petites idées de cadeaux avec, comme du sucre candy, comme de la confiture. Voilà, il y a tout un choix assez incroyable chez Mariage Frère. Et vraiment, je vous invite à aller voir aussi bien sur leur site internet que en boutique, parce que je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur. En tout cas, moi, je sais que ma maman, par exemple, qui adore le thé, il n'y a pas un Noël où je ne lui offre pas au moins une boîte de thé de chez Mariage Frère. Voilà, c'est un cadeau qui fait toujours plaisir quand on aime le thé. Dernière chose dont j'avais vraiment très envie de vous parler, c'est une super belle marque de bijoux qui vient juste d'arriver et qui s'appelle Aimé Private Collection. Et vraiment, les bijoux sont très très beaux. Alors là, je porte un collier comme ça, mais regardez, je vais vous mettre les autres. Voilà, il y a des petits sautoirs comme ça avec une médaille qui sont magnifiques. Hop, je vous les mets. Et on peut faire une petite superposition de bijoux et je trouve que c'est vraiment une super belle idée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et ce sont des bijoux qui sont très fins, qui sont de très très belle qualité. Honnêtement, par rapport à tout ce qu'on peut trouver dans les jolis bijoux, on est entre 20 et 80 euros. Mais pour le coup, c'est vraiment un très 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 joli cadeau. Et je vous présente aussi cette bague qui vient de chez Aimé Private Collection. Je vous montre, elle est magnifique. Regardez. C'est vraiment une très très jolie bague. Voilà, donc les prix ne sont pas excessifs du tout pour des bijoux de belle qualité, parce que c'est vraiment de la très belle qualité et avec des modèles qui sont magnifiques. Donc vraiment, allez jeter un coup d'œil sur le site de Aimé Private Collection, je vous mets le lien. Et je suis sûre que vous allez forcément trouver plein de modèles sur lesquels vous allez craquer, que ce soit pour offrir ou pour vous faire un cadeau à vous, hein, parce qu'il faut aussi se faire des petits cadeaux à soi. On ne s'oublie pas, c'est Noël, on se fait plaisir. Donc voilà, moi j'aime bien la superposition avec plusieurs bijoux, et vraiment chez Aimé Private Collection, il y a un choix incroyable et les bijoux sont vraiment très 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 beaux. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques petites idées si vous êtes un peu en panne pour trouver vos cadeaux de Noël, si vous avez plein de cadeaux à faire, ou même si vous n'en avez pas beaucoup. Si vous en avez déjà quelques-uns, ben vous pouvez rajouter des petites choses pour faire des petits cadeaux d'appoint, comme moi j'aime bien faire. Sinon, n'hésitez pas vous à me dire quels sont les cadeaux de Noël fétiches que vous aimez offrir aux gens qui vous sont proches. Je serais super contente de les partager avec vous. Voilà, moi c'était mes petites idées, mes petites astuces. J'espère en tout cas qu'elles vous auront plu. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis ciao ciao !